Salut l'équipe. Oui, je sais, la saison vient à peine de commencer, mais je peux déjà vous dire qu'elle sera historique. Depuis toujours, la NBA a l'habitude de me surprendre, mais cette fois-ci, c'est du jamais vu. 30 équipes dans les starting blocks, une bague de champion à aller chercher, un titre de MVP à gagner ou à regagner selon certains, et LeBron James pourrait même devenir le meilleur scoreur de l'histoire. Tant de choses sont à venir, et pourtant, la principale attente de cette saison ne joue même pas dans la Ligue, et ça, c'est du jamais vu. Victor Wembanyama, vous l'avez compris, est donc le seul homme au monde à avoir vécu la meilleure semaine de sa vie à Vegas sans faire de pool party et sans mettre un pied dans un casino. Je vous le dis, vous le savez, ce garçon est unique. Roi de Vegas, donc, sans faire la fête, il a aussi transformé les rues habituellement si calmes de Levallois autour de la salle Marcel Cerdan en un centre commercial un premier jour de solde. En ce moment, à Paris, les queues les plus longues ne sont pas pour faire de l'essence, mais bien pour aller voir jouer Victor. La draft, c'est dans 8 mois et il y a déjà autant de suspense sur le futur premier choix qu'un Roland-Garros avec Rafael Nadal. Imagine cette saison, la course au tanking devient plus passionnante que la course au titre. Bon, j'exagère évidemment, mais imagine quand même. Cette saison, plus que jamais, c'est qui perd gagne. Drôle de calcul dans le sport qui mériterait presque une médaille Fields. Mais peu importe, favori, outsider et donc loser, cette saison joueront plus que jamais pour obtenir leur W. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi. Et ce jeudi, c'est le retour du First Day Show qui entre dans sa 6e saison. Et oui, le First Day Show rentre au collège. I'm gonna be emotional. Eux, ils ont quitté le collège depuis bien longtemps. Théo et Thomas sont mes premiers wingman de la saison du First Day Show. Ça va les copains? Mais si vieux que ça apparemment. Bah moi oui, pour toi c'est plus insultant pour toi je pense. Ça va les gars? Bah oui, ravi surtout d'être là. Honoré d'être là pour la première du First Day Show de la saison. Donc... Tout va bien. Tu es aussi de cité là, on sait qu'on va bien parler basket, mais on sait aussi qu'il se passe quelque chose chez Rivers. Ouais, et ben on est aussi ravis de. Bah, je suis ravi d'être là pour dévoiler la nouvelle sortie des éditions Rivers. C'est une réédition en fait du MOOC numéro 4 spécial New York qu'on avait sorti il y a quelques années et dans laquelle on avait eu la chance de t'avoir notamment Erwan. C'est moi, dans la c'est table moi ronde. La chance que vous me parliez. Non, spécialiste de la ville, puisqu'il a grandi hein, quand même. Hein. C'est exactement. C'est Erwan from the block. Ouais, ouais. Harlem. Il est sorti lui aussi avec Dilo. Hein. Tout le monde est sorti avec Dilo. Mais je l'ai largué, elle m'a saoulé. Je m'étonne. Ça voilà, cher, hein. C'est vrai que c'était, ce numéro il avait été assez vite épuisé, il y avait pas mal de gens qui nous le réclamaient, donc on l'a réédité en édition premium qu'on avait pu faire sur celui sur Los Angeles, et donc c'est en format encore plus qualitatif, avec on a rajouté 120 pages, donc ça fait 320 pages, c'est vraiment une brique, un énorme volume consacré au basket new-yorkais, à la culture du jeu à New York, et la nouveauté c'est qu'on le sort sous trois formules, en fait il y a une version avec le MOOC seul, entre guillemets, une version avec la surcover, là, c'est celle que tu montrais, qui est à nouveau signée par Yann Dallon. Et aussi. Qui a failli se tromper encore. Hein, il se trompe jamais, Yann, en général. Exactement. Quand il dessine. Hein. Avec l'arrière de la cover où on a mis en avant Biggie, voilà, pour montrer que c'était aussi sur toute la culture new-yorkaise. Et donc, dans cette édition-là, il y a aussi une petite carte collector à conserver, une petite planche de stickers. Et on a aussi. Voilà, ça sera limité à 500 exemplaires. Et il y aura une dernière édition encore plus limitée, 100 exemplaires, où il y aura tout ça, plus une lithographie, donc format affiche de la cover, qui sera signée, numérotée par Yann Dallon. Donc voilà, on est assez fiers du produit et puis ravis de pouvoir en parler ici. Alors pour les collectionneurs, hein, depuis que vous avez lancé les MOOC, pour les collectionneurs que je suis, parce que j'ai la chance que tu me l'envoies que tu nous les envoies à chaque fois, celui-là, je peux te garantir qu'il va venir se mettre gentiment dans ma collection. D'ailleurs, je prévois même d'acheter une étagère pour les mettre tous maintenant. Ça commence à en faire un paquet, hein. Bah oui, pas mal, parce qu'on a sorti 10 numéros du MOOC et puis 2 rééditions, donc ça commence à prendre de la place, effectivement, à faire de la place pour les étagères, vider les livres qui servent plus à rien et puis faire de la place pour les nouveaux Rivers. Ah ben écoute, en tout cas, on vous mettra le lien dans la description et on vous mettra aussi le lien pour avoir ce magnifique MOOC sur nos réseaux sociaux. Et évidemment, vous pouvez aller sur le site Rivers pour vous procurer ce MOOC. Rivers qui développe un petit podcast, j'en profite, elle en fait un peu de Rivers, de promo pour les copains. Ouais, bah oui, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on fait un podcast avec Shai Mamou, Antoine Pimel, mes collègues de Basket Session et de Rivers. Et donc voilà, chaque
semaine pour décrypter un petit peu soit l'actu, soit un peu comme on peut le faire dans le MOOC, prendre des sujets un peu plus intemporels, aller un peu plus au fond des choses. Voilà, on a un podcast qui est retrouvable, si vous pouvez le retrouver sur nos réseaux sociaux, sur basketsession.com. Parfait, allez, on a parlé d'un magnifique MOOC pour New York, on va parler un peu basket français parce que les éditions Amphora nous ont envoyé ce magnifique bouquin, c'est 100 ans de l'histoire de l'équipe de France à travers 30 maillots. On sait qu'on est très attaché ici au maillot. C'est Julien Matonnière et Daniel Champsaur, j'espère que j'ai pas massacré ton nom, en tout cas, qui nous ont envoyé avec les éditions France ce magnifique bouquin, et on revient vraiment au tout début de l'équipe de France en 1893. Tu te rends compte, la première date du bouquin, et évidemment on revient jusqu'aux années aujourd'hui. Là, on voit Semenova, par exemple, qui a joué contre l'équipe de France, cette grande pivot russe, on s'en souvient. Voilà, un bouquin magnifique, donc, que vous pourrez retrouver dans toutes les librairies. Merci. Voilà, le Flopiette russe. Magnifique bouquin, je l'ai feuilleté. Vraiment, très, 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 très beau livre. On aime quand le basket est mis à l'honneur comme ça, dans les livres. On a fait le tour pour la littérature. On va pas se mentir, on n'est pas des littéraires, nous, quand même. Hein. Bah, parle pour toi. Je parle pour moi. Ah ouais, voilà. Pour moi, ça te regarde. J'aime bien personnellement, vous voyez. J'ai lu toute la collection de Harlan Coben. Je me considère comme un mec qui aime la grande littérature. Okay. Non, pas du tout, évidemment. Okay. Excuse-moi, Augustin Trapenard. Allez, on a quelques annonces quand même à vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission. Le jeudi, désormais, vous le savez, il y a le First Day Show qui sera à 17h, mais on va rajouter un nouveau programme. Ça se passe de 22h à 23h. Ça se passe sur l'application Brut. D'ailleurs, tu pourrais venir de temps en temps. Je pense qu'on pourrait t'inviter. C'est une très bonne idée. On reviendra sur le débrief du First Day Show et on ouvrira aussi sur d'autres débats. Mais de 22h à 23h, toute la saison, le jeudi, sur l'application Brut, on est là pour parler avec vous. Et quand on dit parler, ce n'est pas qu'à travers des commentaires. Vous pouvez nous faire un petit appel avec une main qui sera en bas de votre écran et on voit votre gueule et on échange comme si vous débattiez avec nous en émission, Thomas. Absolument. Donc le but de ce programme que vous avez peut-être déjà vu l'année dernière lors des finales NBA et puis là depuis quelques semaines, c'est vraiment de revenir sur le débat du First Day Show. Donc on se voit ce soir pour débriefer ce qu'on a dit, bien, pas bien. Et puis voilà, on donne la part belle aux observateurs et aux amoureux de la NBA. Le jeudi, le First Day Show, le jeudi soir, Brut, mais on va vous envoyer le programme de la semaine parce qu'il est très chargé sur la First Team. Donc Brut, on l'a dit, 22h, 23h, le First Day Show à 17h, mais vous êtes devant. 14h30, exceptionnellement, en live à La Villette, en public, le clutch avec Winamax. On sera en direct avec Rémi Reverchon pour faire une émission et on espère que vous serez très nombreux. On pourra discuter aussi avec vous après l'émission. Et puis le lundi, 22h minuit, vous sera repris, vous en avez l'habitude. L'antenne, la libre antenne, où on a toujours plein de choses à dire et parler là aussi avec vous. Vous pouvez nous appeler au standard. Tom Servino, ce sera un plaisir de vous recevoir ou pas, hein, selon certains. On est bon, les amis? Allez, on se plonge dans le sommaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi dans cette émission. On va commencer, comme d'habitude, avec les news. Les news, les Warriors, les Clippers, les Nets, des fortunes diverses et pas mal d'histoires à raconter. Le débat, on ira sur le renouveau, la reconstruction même des Blazers. Pour l'instant, premier ex aequo de la conférence Ouest. On va se pencher sur cette reconstruction qui avait commencé, si vous vous en souvenez, en milieu de saison dernière. La palette, c'est notre nouveau focus. On va faire une palette sur le retour de Zion. Les Pelicans marchent très fort aussi. On va étudier, analyser, comprendre comment Zion Williamson est revenu à l'intérieur du collectif des Nets. Et ça se passe plutôt bien, même s'il est un petit peu blessé en ce moment. Les Pelicans. Après une chute un petit peu lourde. Oui, pas les Nets, t'as raison. Et puis on finira, on va pas se mentir, avec le quiz, Tom Servino va revenir. J'espère que le premier quiz, il est toujours important de faire des shows, de bien commencer la saison comme le jazz. Disons qu'on a fait deux quiz dans la libre antenne. Tu as pris le premier, j'ai pris celui de ce lundi. Écoute, maintenant, ça se joue sur la vraie terre de nos anciens exploits, j'ai envie de te dire. C'est ici notre cage. Donc voilà, on va pouvoir batailler tout au long de la saison. Et de mémoire, Théo, tu en avais pris quelques-uns l'année dernière. Bien sûr. Oui, à l'occasion. Non. Regarde le faux modeste. Pas de fausse modestie. Surtout que là, l'émission commence, on veut pas être modeste, on veut surtout aller dans les news. Allez, la première news, on va sur le plus chaud avec les Nets qui ont perdu hier soir face à un énorme Giannis Antetokounmpo. On va pas aller sur le Greek Freak sur cette émission, on va plutôt aller sur les Nets qui connaissent un début de saison compliqué, une victoire, trois défaites, défaites larges mais logiques hier, avec quand même un bon Kevin Durant et un bon Kyrie Irving. Mais on en est surtout là, Thomas, pour parler de Ben Simmons qui hier soir encore
a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Oui, absolument. Ben Simmons est un des retours les plus attendus de ce début de saison. On avait envie de revoir le multiple star sur les parquets NBA dans un nouveau projet, avec un nouveau maillot, etc. etc. On passe évidemment ce qui s'est passé l'année dernière en play-off, mais c'est vrai qu'on a tous été très intéressés par ses premiers matchs. Et en effet, on retrouve un Ben Simmons qui n'a pas retrouvé toutes les capacités qu'on a pu voir du côté des Sixers. Et on atteste ce qui s'est passé hier soir, puisque sur une action qu'on va regarder ensemble, eh bien, Kyrie Irving fait une pénétration, lâche une petite passe à Ben Simmons. Et Ben Simmons va faire une passe. Vous l'avez entendu, Kyrie a crié « Shoot it, Ben !» Le cri du désespoir pour Kyrie Irving. C'est une action qu'on a vue, évidemment, pour Ben Simmons, back in the days, on s'en souvient, en playoff. Mais ça montre voilà, toute le manque de confiance que Ben Simmons a en son propre jeu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu vois, toi, ouais, dans tout ça, mon cher C'est compliqué. Moi, j'adore Ben Simmons, donc je continue à croire dans le jeu. C'est vrai qu'après un an d'absence des parquets, c'est pas étonnant de le voir rouiller, de le voir lent en défense, de le voir prendre des fautes un peu à la con. Ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'au Nets, c'est pas une équipe comme les autres. Il y a déjà une pression énorme de performer tout de suite, alors qu'un joueur qui revient après un an, tu dis, bon, bah, de toute façon, il va prendre au moins, je sais pas, un tiers de la saison au minimum pour retrouver un peu de rythme. Et ce qui est malgré tout inquiétant, je trouve, c'est que moi, mon grand espoir, c'était de me dire que bah, pendant un an, peut-être qu'il aurait quand même travaillé en partie sur ses lacunes, notamment ne serait-ce que sur le tir de lancer franc. Et là, on voit que c'est pas le cas, en fait. On voit que sa mécanique est toujours la même. On voit qu'il y a toujours la peur d'aller sur la ligne. Et sur l'action en question, c'est pas tant le fait qu'il prenne pas le tir que je trouve complexe, c'est qu'il regarde pas le cercle, en fait. Il regarde même pas le cercle du tout. Après, il y a Yanis en face, c'est pas forcément un mauvais choix de ressortir le ballon. En plus, voilà, ça finit par un panier pour les Nets, mais on sent qu'il veut pas être envoyé sur la ligne, il a zéro confiance dans sa capacité à mettre les lancers francs. Moi, je te rejoins sur le fait que j'ai envie de croire en Ben Simmons. C'est un joueur que j'ai toujours défendu, que j'ai beaucoup aimé, qui a des qualités, alors peut-être pas celle de scorer, mais qui a des qualités. Et le fait qu'il galère à revenir comme ça physiquement, ne pas jouer pendant un an, les gens ne se rendent pas compte comment c'est compliqué. Maintenant, je trouve qu'il va falloir que lui, dans sa tête, il se passe mentalement quelque chose. Là, quelque part, de refuser ce tir-là aussi, et tu l'as dit, c'est une bonne passe, on peut débriefer là. Bon, la palette de cette émission de la semaine, elle ne sera pas là-dessus, mais moi, ce qui m'embête, ce qui m'ennuie, plus que ses problèmes physiques, ses problèmes à retrouver du rythme, c'est que dans sa mentalité, il n'y a rien qu'à changer. Il a quand même tapé dans le mur à Philadelphie, malgré le fait qu'il était All-Star, par ce côté, je veux être que dans la passe, je ne regarde plus le cercle. Ça, on l'a raillé, ça a changé complètement la fin de course chez lui à Philadelphie. Et là, il revient chez les Nets. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai presque envie je préfère qu'il se fasse contrer, mais qu'il prenne ce tir, qu'il soit que dans la passe. Mais je te rejoins complètement et en fait, on a l'impression qu'il n'a pas accepté le défi proposé par le monde du basket au sens très 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 large. Les fans évidemment qui sont durs avec lui, mais aussi je pense les gens qui l'ont recruté. Moi j'ai envie que sur une action comme ça, et tu as raison de dire qu'il y a Yanis en face, j'ai envie qu'il aille au dunk, qu'il essaye d'aller au dunk, tu vois, que dans l'intention, il aille de manière agressive. Provoque une faute. Ouais, en tout cas, le côté agressif aura forcément une conséquence. Je pense une faute, pourquoi pas un contre, mais en tout cas, il se sera passé un truc. Ce qui est dingue là, dans le jeu de Ben Simmons, sur tous les matchs qu'on voit, c'est qu'il ne tente pas sa chance et qu'il monte la balle comme un meneur lambda, random. Il fait sa petite passe, il va chercher Kyrie, il va chercher KD. On peut l'entendre, mais en tout cas, il n'est pas du tout dans un truc, bon, bah moi, je vais dominer mon adversaire et puis ça va déclencher et décanter des choses, mettre un peu la zizanie dans la défense adverse. Il est scolaire. J'ai pas envie que Ben Simmons soit scolaire. Alors, t'as raison de dire que, bon, bah, il est clairement rouillé et tout le monde est d'accord là-dessus, mais n'empêche que les intentions, c'est psychologique, c'est pas une question de physique. Surtout dans ce secteur de jeu, parce qu'en fait, finalement, qu'il prenne pas de tir à trois points ou qu'il en mette pas, il a tellement d'autres choses à apporter sur le terrain que je pense que c'est aussi. Surtout que maintenant, t'as Durant et Irving à côté. Et t'auras pas son métier. Curry et t'auras en plus, voilà, Harris pour allumer, évidemment. Donc c'est pas tant que ça un problème. Là, effectivement, proche du cercle, c'est là où il doit être agressif, parce qu'en fait, si les Nets veulent aller loin, il y a des séquences où il devra jouer small ball 5 et donc jouer en gros short corner dans la raquette. Et s'il ne prend pas ces tirs-là, ne serait-ce que pour provoquer des fautes, effectivement, ça pose problème. Parce qu'au-delà du fait qu'il puisse rater les lancers francs, tu fais prendre une faute à l'adversaire. Là, en face, en l'occurrence, c'est Yanis. On sait dans un match de play-off que des fois, les matchs se jouent à rien du tout. Et je vous rejoins là-dessus. Il manque d'agressivité, manque de confiance là-dessus. Et manifestement, il y a quand même un travail qui n'a pas été mis en place pendant son année de passer loin
un des parquets. Il faudra être patient, et c'est ce que demande Kyrie Irving. Vous n'arrêtez pas de me demander de parler de Ben. Il n'a pas joué depuis 2 ans. Donnez-lui une putain de chance. Vous ne le lâchez pas. Nous, on est là pour être positif et le laisser jouer. Oui, mais c'est aussi le lot des joueurs qui ont des contrats max et qui sont all-stars, les gars. Ils sont trop marrants, là. Oui, c'est pas un mec qui a arrêté de jouer 3 ans en N3 pour s'occuper de ses enfants et qui revient et qui manque de rythme. Et qui ont applaudi, on dit bravo, mec, pour le parler fort. C'est cool que ça revienne, tu vois. C'est pas. C'est clair. Mais tu veux dire. Non, je veux dire, ça te parle, toi. Non, mais en plus, en fait, ce que je trouve toujours dommage avec Ben Simmons, mais là, c'est peut-être là où je suis pas objectif, c'est qu'en fait, on occulte un petit peu ce qu'il apporte vraiment sur le terrain. Et sur ces matchs, même si le début des saisons des Nets est compliqué, tu vois quand même de match en match, il y a des choses intéressantes, bien notamment sûr. En termes de rythme. Ce qui manque aujourd'hui aux Sixers, c'est ce qu'aujourd'hui Ben Simmons peut apporter aux Nets, c'est du rythme en fait. Balle en main sur jeu ouvert, sur jeu de relance, il y a peu de meneurs qui peuvent dynamiser autant le jeu que Ben Simmons quand il est en pleine possession de ses moyens. Et là, on le voit par moment. J'ai le sentiment qu'après les premiers matchs de pré-saison où il était vraiment très timide, on sentait qu'il venait d'arriver, c'était l'équipe de KD, etc. J'espère pour lui qu'il y aura quand même, qu'il saura s'approprier aussi cette équipe, se dire c'est mon équipe et il faut que je puisse apporter vraiment ce que je peux apporter. Moi, je suis d'accord avec toi, il va lui falloir du temps. 4 matchs, c'est rien, mais il y a un proverbe qui dit bien dans sa tête, bien dans son corps, ou bien dans son corps, bien dans sa tête, peu importe, il est ni l'un ni l'autre en ce moment. Pour l'instant. Donc, pour l'instant, mais moi, je reste persuadé que ce profil-là, autour de KD, et de Irving, c'est le bon profil. Voilà, il perd du temps. Gagner, c'est s'acheter du temps. Et pour l'instant, il perd du temps. Et évidemment, alors hier, Steve Nash s'est énervé dans le match. Moi, je vais arrêter d'appeler le coiffeur pour d'homme. Il m'a fait peur. Ah ouais, les gros yeux, globuleux, incroyable. Je savais même pas qu'il pouvait s'énerver autant. Non, mais je te jure, c'est incroyable. Donc, on sait très bien pourquoi il a fait ça. On connaît. Les blaires. Quand un coach s'énerve, il y a deux réactions. Soit il peut vraiment pas se contenir. Il y a des coachs comme ça. Soit il veut faire passer le message. Les gars, vas-y, maintenant, on y va. Ils ont explosé derrière. Non mais c'est clair. Donc voilà. Bon, en tout cas, les Nets, on va suivre avec beaucoup d'attention. Mais pour l'instant, ça part petit. Il y a du taf. Il y a du taf chez les Nets, clairement. Mais ça, on le savait. T'as beau avoir des stars, au bout d'un moment, construire des choses, se donner du temps en gagnant des matchs. Défendre un petit peu. Et là, Ben Simmons aussi, il fait beaucoup de fautes. Mais en tout cas, il a une envie d'amener de la défense quand il sera plus en canne. J'espère pour là lui. Là aussi, hein. Être le premier rideau défensif, ça peut être pas mal. On reste dans les mecs qui s'énervent. Il y a eu Steve Nash avec les arbitres, mais il y a eu aussi cette semaine Devin Booker et Klay Thompson. C'est une embrouille qui m'a un peu surprise parce que c'est plutôt deux gentlemen, plutôt sympa. Ils se sont bien pris la tête et Klay Thompson a même été expulsé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette embrouille là? Je suis étonné par la réaction de Klay Thompson, mais Devin Booker, il parle non-stop. Hein. Avant même que Chris Paul vienne renforcer les Suns, c'était déjà une des grandes bouches de la NBA à parler non-stop, à gazer, etc. Par contre, c'est vrai que c'était un peu surprenant de voir Klay Thompson dégoupiller comme ça. Je pense que le prochain match, il leur en met 40, mais je pense qu'il sera vraiment fâché au prochain match. Mais effectivement, c'est plus la réaction de Klay Thompson que j'avais. Enfin, il est tout le temps impassible sur le terrain, on ne le voit jamais s'énerver. Je suis curieux de savoir ce que Booker a pu lui dire pour que Thompson s'énerve autant. Alors moi, la question que je me pose, tu vois, et pour aller plus loin que ça, parce que comme toi, on a tous été surpris, hein, non seulement de cette réaction, mais que ça dure aussi longtemps, qu'à la fin, il s'énerve sur les arbitres et puis qu'il se fasse expulser. Moi, je me pose une question. Alors, ça vaut ce que ça vaut, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais entre la droite de Draymond Green, entre cette nervosité flagrante pendant un match d'un mec qui n'a jamais montré de signe de nervosité, pour une équipe championne, pour une équipe qui connaît le métier, je trouve ça un peu étonnant. Je ne sais pas s'il y aura des répercussions dans la saison régulière, pendant les playoffs, je ne sais pas si on pourra reparler de tout ça, mais force est de constater que les Warriors, qui ont toujours la culture, machin, qu'on souligne à chaque fois, et c'est bien normal, ils sont un peu nerveux, nos copains. Ils sont nerveux, c'est le constat, c'est dur de dire le contraire. J'ai l'impression que c'est deux cas isolés pour moi. Draymond Green, la droite qu'il met à Poole, c'est pour moi un événement isolé. Et la preuve en est, c'est que finalement, que ce soit Poole ou Draymond Green ou les Warriors, j'ai l'impression qu'ils sont vite rentrés dans leur saison et qu'ils ont mis ça derrière eux. Et pour moi, Klay Thompson, il est dans une frustration parce qu'il fait un début de saison dramatique en termes d'adresse. Et on sait que si Klay Thompson n'est pas adroit, ça devient plus le même joueur. Et je pense qu'il a aussi du mal à retrouver ses cannes défensives. On l'avait déjà vu même l'année dernière sur les finales NBA. Regardez, hein, 11 points par match, moins de 30% à 3 points. Je pense que Klay Thompson est aussi dans une nervosité par rapport à son niveau. Il se dit, bon, maintenant, ça fait 6 mois que je suis revenu, voire plus. Et quand est-ce que ça revient? Certainement de l'impatience. Mais pour moi, ça reste un cas isolé. Ça ne l'est pas, puisqu'ils sont dans la même équipe, ils ont tout gagné, ils ont de l'expérience. Cas isolé, pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait deux histoires complètement différentes. C'est deux histoires en quelques semaines qui traduisent
Toi, tu me parles de nervosité parce qu'ils sont pas en CAN, bah donc il y a quelque chose. Bah lui, tu vois ce que je veux dire ? Lui est pas en CAN, mais moi j'ai quand même vu. Pour moi, j'ai dit que cette année les Warriors, c'est pour ça que j'ai mis 3 ou 4e de saison régulière à l'Ouest. Pour moi, ils vont cruiser. Donc oui, ils ont des intérêts à surperformer. J'ai vu tous leurs matchs de ce début de saison. Il y a une différence de sérieux, d'académie selon les matchs et même pendant les matchs, notamment quand je les vois contre les Lakers, certes, contre Denver, il y a un très haut niveau, puis très vite on redescend. Puis, voilà, pour moi, ils vont cruiser. Ils ont une force. Et je crois en ce champion-là, en fait, qui pour moi, pour l'instant, contrôle. Et Draymond Green a fait son caca nerveux. Là, Klay Thompson s'assoit comme ça parce qu'on en a vu les stats, il a beaucoup de mal. J'arrive pas à être encore inquiet, contrairement à Charles Barkley, par exemple. Ah oui, bah allons-y. Va sur Charles, raconte-nous ce qu'il a raconté. C'est à toi, c'est toi qui voulais Donc Charles Barkley, dans les émissions post-match, a donc eu cette sortie. Cette équipe vieillit, ils ont gagné 4 championnats, c'est comme jouer 2 ou 3 saisons de plus. Ils ont plus de 30 ans. Klay a subi 2 grosses opérations. Draymond Green ralentit. Stephen Curry a beaucoup plus de travail maintenant. Les jeunes vont vraiment devoir step-up où cette équipe ne fera pas le back-to-back. Qu'est-ce que tu dis, toi, Théo, par rapport à ça ? Moi, je suis un peu comme Erwan. Honnêtement, je suis assez serein avec les Warriors. Je pense qu'ils ont 2 objectifs. Celui de la saison régulière, c'est de développer les jeunes, trouver des moments où, comme tu le disais, Erwan, ils vont accepter de moins bien jouer parce qu'il faut qu'ils donnent des responsabilités aux jeunes de manière à faire une espèce de économiser leur star sur la longueur de la saison et pas simplement en leur faisant sauter des back-to-back. Et l'objectif, c'est d'arriver en play-off avec les cadres en forme et avec des jeunes qui se seront aguerris. Je trouve un petit peu dur le constat de Barkley. Pour ce qui est de Klay Thompson, je pense surtout que c'est dans sa tête. Effectivement, il y a une énorme frustration. On l'avait vu même après le titre l'an dernier. On sentait qu'il était soulagé, heureux d'avoir gagné et en même temps, malgré tout, hyper frustré de ses performances. Et hyper bourré aussi. Ouais. Ça lui arrive. Ça, c'est clair. Mais du coup, je pense qu'il est dans sa propre tête à effectivement se demander quand est-ce que ça va revenir et ça prend du temps en fait. On sait même. Moi, je trouve même presque. Ça va revenir parce que moi j'en suis là. Ah mais par contre personne ne peut le savoir. Même les toubibs, ils ont beau te dire des choses, au bout d'un moment c'est le terrain qui va faire que. Et peut-être que lui, à l'âge qu'il a, il a plus de 30 ans, peut-être qu'il se pose une idée aussi. Il faut se mettre à la place du mec, peut-être qu'en fait mes meilleures années elles sont derrière moi, que ces blessures là, je vais jamais revenir à 100%. On rappelle que cet été, il a très mal vécu, hein, il a raconté combien ça a été difficile de se repréparer et tout, et que en fait, je pense qu'il ne se retrouve pas. Et c'est vrai que quand tu as été si fort, si exposé, etc., avec tout l'argent et tout ce que ça entraîne derrière, de se retrouver, de ne pas se retrouver soi-même, ça doit être très difficile, ça on se rejoint complètement. Mais donc ça pose une vraie question. Et ça peut être soit un petit, un petit warning, oh, attention les gars, il y a 2-3 sorties et tout. Ça, peut-être, donc warning, ça veut dire que tu réagis bien et que ça n'a aucune conséquence. En revanche, si plus tard dans la saison, on ne les retrouve pas ou il y a encore d'autres histoires, on pourra reparler de tout ça. L'avantage, c'est que dans le contexte Warriors, avec le vécu qu'il a, il est dans le système, il aura des tirer. Voilà. En tout cas, on suivra ça. Ils font confiance, en tout cas. Voilà. Bah, ils ont tout. Exactement. Jusqu'à preuve du contraire, ça leur a jamais coûté. Il y a d'autres franchises, ils tirent sur leur mec. Ça leur a jamais fait du mal. Jamais, hein. Allez, on reste à l'ouest, en Californie, mais on descend un petit peu plus au sud. On va voir les Clippers. Hein. Vous savez, moi, c'est mes favoris de la saison. Ils avaient parfaitement commencé leur année avec une victoire face aux Lakers. Mais depuis, 2 victoires, 2 défaites. Et un Kawhi Leonard qui a déjà raté 2 matchs. Et selon ce que nous disait Tyronn Lue, Kawhi a un petit peu mal au genou, il veut jouer, mais eux, les Clippers, Thomas, Théo, ne prennent pas de risques. Ouais, bah c'est sûr que Kawhi, de toute façon, est sous restriction de minutes. Hein. On parle de 24 minutes, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le 5 majeur. Et que dans leur idée, c'est de jouer 24 minutes à partir du deuxième quart-temps, ce qu'on peut entendre. Voilà, le constat pur, c'est que Tyronn Lue a dit ça, il a ressenti une petite gêne ce matin. On va faire très attention, s'assurer de prendre les bonnes décisions pour lui, même s'il voulait jouer. Ce n'était pas intelligent. Il peut nous en vouloir, mais ça aurait été stupide de le remettre sur le parquet. Et ça, c'est quand même toujours des situations difficiles entre la franchise, l'équipe, qui veulent bien du joueur, bien sûr, et le joueur qui veut jouer. Faut pas qu'il y ait de fritures sur la ligne, j'ai envie de te dire. Surtout avec les caractères comme lui, là. Parce qu'en fait, ils sont un peu dans la même configuration que les Warriors. Leur objectif principal, c'est d'arriver en étant en forme au moment des playoffs. La différence, par contre, c'est que les Warriors peuvent se permettre ce luxe-là parce qu'ils ont tellement d'expériences communes jeu qu'ils peuvent se dire, la saison régulière, c'est pas très grave. En playoffs, de toute façon, on sera tous là et on sera tous sur la même longueur d'onde. La difficulté pour les Clippers, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des mecs comme John Wall ou autres. Donc, il y a encore, mais même Kawhi qui a très peu joué ces dernières années. Donc, il y a quand même la nécessité de trouver des moments où l'équipe est
fait là pour jouer, performer et avoir des repères. Et c'est pour ça que moi, alors c'est pas inquiétant, c'est normal que les Clippers prennent leur temps avec, avec Kawhi pour le faire revenir progressivement, mais il y a un moment où il faudra quand même qu'ils puissent enchaîner un petit peu les, voilà, les temps de jeu sur le terrain avec les joueurs avec lesquels ils seront amenés à jouer les moments décisifs des matchs importants. Et l'histoire nous a montré, avec les Clippers et les Nets, que le vécu collectif de la saison régulière, il est important, tu t'inventes pas une vie en play-off. Alors c'est encore très tôt dans la saison, on comprend qu'il soit précautionneux, ouais. Mais attention de pas trop, voilà, il va falloir trouver le juste milieu, il va falloir créer quand même un nouveau collectif et un nouveau vécu avec un mec qui n'a pas joué depuis quasiment un an et demi. On rappelle quand même qu'on est tous dithyrambiques, toi le premier sur les Clippers et les espoirs de titre, ils ont quand même une hiérarchie totale à trouver dans cette équipe, et pour l'instant il n'y a aucune hiérarchie, les mecs sont là, pas là, Paul George aussi a manqué des matchs, bon, pas bon, machin, que why, ils aiment bien faire ça. Donc, et ça, faut... la grande crainte c'était, est-ce qu'ils n'étaient pas trop nombreux? Bah écoute, on verra, mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas d'identité claire et on retrouve moins le kiff de l'année dernière. Voilà. Donc, bon, à voir. Il y en a un qui kiffe, en tout cas, rapidement, c'est John Wall. Là, on est ravis de revoir l'ancien meneur des Wizards comme ça. Ouais, d'autant qu'en fait, il était pas. On a oublié même qu'il était pas blessé l'an dernier. En fait, il aurait pu finir toute la saison avec les Rockets qu'il avait mis de côté simplement pour préparer la draft. Effectivement, ça fait d'autant plus plaisir, même si c'est un joueur aussi qui a ses limites ou ses défauts après les sorties qu'il avait faites récemment, où on a pu sentir qu'il était quand même passé par des moments très durs, une période noire d'un point de vue santé mentale, voilà, bien-être. Donc ça fait plaisir de le retrouver sur un terrain, clairement. Très bien. Et le retour de... tu voulais rajouter ? Ouais, non, je regardais juste pour ne pas dire de bêtises, mais un bon John Wall, un bon retour de John Wall, ça veut dire un petit Reggie Jackson. On parle de hiérarchie. Il y a tout ça à prendre en compte aussi pour des mecs qui ont été bons l'année dernière. Ah, mais tout le d'avoir monde... un mec derrière aussi fort, est-ce que ça, c'est pas plus compliqué que pour Reggie ? Bon, voilà. C'est des trucs, en tout cas, moi que je surveille avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'attention parce qu'ils sont favoris, les mecs. Et oui, donc, t'as il faut jouer tel qu'un favori. Tout le monde ne pourra pas grailler comme l'année dernière. Et moi, je trouve que John Wall bon et Reggie Jackson moins bon, ben, c'est un constat, c'est un deal qui me va, en tout cas, pour les Clippers. Avoir, on verra, parce que c'est pas dans le vestiaire. Hein. Oui, Reggie, oui. Lui, il l'est, par contre. Mais bref. Oui, non, tu vois. Dernière news, Eric Bledsoe en chien et en Chine, donc hein, forcément, il vient de signer en Chine. Il était temps, c'est horrible. What a surprise, bon, il était temps, horrible, je sais horrible, pas, horrible, finalement, horrible, bien sûr. On est un petit peu dans la descente, dans la fin de carrière compliquée d'Eric Bledsoe qui va aller prendre un Chekos au Shanghai Sharks, comme beaucoup l'ont fait avant lui. Tu sais qui rejoint ? Michael Beasley qui est encore là-bas, ouais. Qui est clairement un joueur parfait pour les Shanghai Sharks. Non, mais bon, c'est le cimetière des éléphants, des ultra talentueux qu'on a aimé à un moment donné, qui ont une cote descendre de manière vertigineuse. Donc voilà, Eric Bledsoe qui signe en Chine. J'ai pas l'impression que ce soit la plus grande surprise de l'histoire de la NBA, quoi. Non, c'est clair. Bon, heureusement, il tombe dans un club qui est vraiment bien structuré, quand même, une grosse équipe malgré tout du championnat chinois. Mais oui, c'est un peu triste. Et tu parles de Beasley, moi, ça reste une grande tristesse aussi de voir un mec avec autant de talent qui a jamais trouvé comment mettre ça au service de son jeu et de son collectif. Pour Bledsoe, je ne suis pas si étonné parce que c'est vrai qu'avec l'évolution du jeu actuel, il y avait de moins en moins de place pour un mec avec dans son registre, quoi, clairement. Le non-fit au Bucks, elle a terminé. Bah après, c'est simple, Eric Bledsoe, soit tu lui donnes la balle, tu joues autour et c'est ta star rentable, et c'est pas rentable. Voilà, ça l'a jamais été. Soit lui développe un tir externe. Bon, mais il n'a pas développé de tir externe. Parfois, le basket est tellement simple pour des mecs qui, normalement, ont dû être All-Star nombreuses fois et dans les équipes qui comptent, avec le talent qu'il avait. Il y a un mec All-Star qui a développé un tir externe, qui est un bête de leader. Oh. C'est Damien Lillard. Mais on en parle dans le débat tout de suite. Les Portland Trail Blazers sont premiers de la Conférence Ouest avec le Jazz et ont parfaitement donc commencé cette saison, mais aussi leur reconstruction. Ça va être ça notre débat un petit peu de cette semaine, de comprendre un petit peu comment les Trail Blazers ont recréé un projet autour encore de Damien Lillard, mais surtout ça va être important de revenir sur les choix qui ont été faits ces derniers mois, voire peut-être années. C'est une franchise vous qui vous parle un petit peu les Blazers? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette franchise, en fait. J'avoue que même, on a tendance à l'oublier, mais l'équipe qui a perdu en 92 face aux Bulls de Jordan était une super équipe, hyper talentueuse. Celle qui a fait la finale face aux Pistons aussi. Après, il y a eu les belles années, même les Jail Blazers, c'est une équipe que j'ai bien aimée. Et puis après, il y a eu...
Brandon Roy, que j'ai adoré, c'est un des joueurs que, voilà, qui m'ont le plus brisé le cœur à cause des blessures. Donc moi, j'ai toujours eu un affectif pour les Blazers, même avant Damien Lillard. Et puis pour parler Lillard, c'est un joueur dont j'aime beaucoup le jeu et j'aime beaucoup l'attitude aussi. On en avait déjà parlé par le passé, mais je trouve qu'il y a une vraie fierté aussi à se dire, bon, moi, je suis compétiteur, donc je veux jouer avec mon équipe, gagner avec mon équipe et pas forcément faire la course au super team. Donc ouais, c'est une équipe que j'aime beaucoup, les Blazers. Je te rejoins complètement, c'est une équipe qui compte aussi, hein. Une équipe qui a... Quand on avait fait un zoom sur cette franchise post-confinement, on avait dit, et c'est toujours le cas, c'est une franchise qui est toujours bien placée, toujours avec des stars, toujours avec, alors parfois des anti-stars aussi, mais toujours avec de l'ambition et l'envie d'aller en finale NBA. Évidemment, il y a un titre, mais il y a surtout des apparitions de finale, des équipes qui auraient pu être titrées, des virages un peu ratés, des blessures malencontreuses, Greg Oden, le départ de la Marcus Aldridge, mais toujours une équipe qui compte. Et c'est vrai que voir les Blazers sans play-offs ces dernières saisons, en fait, c'est une hérésie dans l'histoire de la NBA. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et donc, ils ont, l'année dernière, fait quelques choix. Et on va revenir un petit peu sur cette nouvelle construction, sur ce nouveau costume des Portland Trail Blazers, parce qu'il y a eu des choix intéressants, des choix forts. Et c'est là que je vais un petit peu vouloir votre avis. En février dernier, ça commence déjà. On sait que Chauncey Billups est arrivé l'année dernière déjà. McCollum est tradé à la Nouvelle-Orléans, lui, le lieutenant plus de Damien Lillard. Et s'il est tradé, McCollum, c'était pour faire de la place à Anthony Simmons dans le 5 majeur. On va y revenir tout à l'heure. Et puis cet été, des choix forts, évidemment, re-signer Damien Lillard à un prix défiant toute concurrence, si tu vois ce que je veux dire. Et puis faire venir Jeremy Grant, qui a compris qu'il s'était inventé une vie du côté de Détroit en pensant que c'était un go-to guy. Puis finalement, il est revenu dans l'Oregon faire ce qu'il sait faire de mieux sur un poste 4 athlétique et se mettre au service d'un collectif. Thomas, c'est des choix forts, ça, déjà, quand même, dans une franchise autour de Lillard. Alors, si je peux me permettre, ça, c'est les choix de joueurs, bien sûr, mais en fait, ça se passe dans les bureaux. Neil Oshie, que tous les Français connaissent, l'ancien GM des Blazers, puisque des Français y sont passés, je pense à Nico Batum, bien sûr, qui nous en a parlé. Odieux personnage, apparemment. Odieux personnage. Il y avait deux problèmes du côté de cette franchise. Il y avait donc le GM et le service médical. Voilà, en gros, Neil Oshie s'était fait cut l'année dernière et c'est notre bon vieil ami Joe Cronin qui est arrivé. Joe Cronin, il a une idée en tête, c'est de tout faire péter. Donc tu parlais de faire partie de CJ McCollum, qui est clairement la tête de gondole des années presque finale NBA, mais il y a aussi Norman Powell qui est parti, Robert Covington, il y a Larry Nance l'année dernière qui sont partis aussi. Et l'année dernière, on s'était posé la question, mais attendez, on ne comprend pas exactement la direction de cette franchise. Ils avaient fait du cap space, mais on voulait voir la suite. Bah, la suite, tu l'as montré, c'est... Anthony Simmons, et c'est Jeremy Grant notamment qui arrive pour renforcer cette équipe. Donc voilà, c'est en tout cas une manière de penser qui marche, c'est-à-dire les GM qui arrivent avec des idées fortes, avec de la suite dans les idées, puisqu'il y a des trades. Je pense aussi du côté des Bulls, tu vois, le nombre de trades qu'ils ont fait pour progresser, et ça donne des résultats, alors sur un petit échantillon, mais des résultats immédiats. On peut rajouter la re-signature de Yusuf Turkic, importante. Théo, on va regarder le roster des Blazers. Et toi, dis-moi un petit peu cette équipe, comme ça, à brut pour point, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce qui me plaît dans cette reconstruction, c'est effectivement, il y a eu un choix fort. Le choix, ça a été d'être plus athlétique et de pouvoir jouer plus rapidement. En fait, il y a vraiment, on voit qu'ils ont une pléthore de joueurs extérieurs qui sont athlétiques, qui peuvent défendre, switcher, qui peuvent courir, prendre des tirs. Et aujourd'hui, en fait, la question qu'on s'était posée, c'était, à l'époque, c'était est-ce que... à reposer surtout autour de Damien Lillard, en fait. Est-ce que ce qu'on voit de Damien Lillard l'an dernier, c'est les signes avant-coureurs du début d'un déclin? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un peu compliqué, dangereux de simplement continuer à construire autour de lui? Ou est-ce que c'est un micro-élément qui va se corriger de lui-même? Moi, la grosse satisfaction de ce début de saison, c'est de me dire que le Damien Lillard qu'on a vu, que ça soit aux Jeux Olympiques la dernière fois, ou le début de saison un peu catastrophique l'an dernier, où il met pas un tir quasiment, il est pas du tout dans ses standards. Il est clairement blessé. Hein. Exactement. Et de voir que là, il fait un début de saison après le premier match, un début de saison canon. On sent qu'il a retrouvé ses jambes, qu'il est agressif vers le cercle. Il a toujours ses qualités de leader sur lesquelles je pense qu'on pourra revenir tout à l'heure. Et du coup, il y a une vraie cohérence et une vraie cohésion dans ce groupe. Effectivement, avec une montée en puissance dans les responsabilités, en tout cas d'Anthony Simons, ouais. Et des joueurs autour, voilà, qui sont parfaitement complémentaires. Josh Hart, c'est peut-être le joueur le plus sous-coté de toute la ligue. Le gars, il fait 6 pieds 5 et il prend plus de 10 rebonds par match pour un arrière. C'est un truc de dingue. Jeremy Grant, je suis d'accord avec toi, Erwan, il allait se perdre à Détroit, alors que c'est vraiment un lieutenant parfait pour des équipes qui veulent jouer. Ouais, mais il y avait d'autres équipes qui étaient prêtes à s'aligner. Je ne suis pas sûr que les 90 millions que tout le monde lui donnerait, hein, les 30 millions à saison. Alors, effectivement, il n'était peut-être pas à 90, mais il était pas si loin, quoi. Mais dans un rôle de lieutenant comme il est là à Portland, c'est parfait. Et ce que je trouve impressionnant sur ce début de saison, c'est la sérénité de cette équipe. Ils ont un franchise player qui est un super leader. Quand Anthony Simons a pris
pris feu contre les Nuggets, il y avait personne qui était plus heureux de voir ça. Mais que... six paniers à trois points dans le troisième quart-temps. Exactement, c'est Lillard. Allez voir la séquence si vous l'avez pas vue, elle est. Il est mes coups sur coups. Elle est dantesque. Voilà. C'est ça, ouais. Exactement. Le dernier mec que j'ai vu mettre autant de paniers à Portland, c'était. À 3 points, Michael Jordan en 90, en demi-finale. Game one, exactement. Mais on voit, voilà, Lillard qui est ravi de lui donner les ballons, qui est le premier à lever les bras quand son pote marque les paniers. Et ça, c'est vraiment une preuve d'une équipe qui vit bien. Ouais, mais je te rejoins, c'est bien d'aller sur le profil de cette équipe autour de Chauncey Billups, qui est un coach en devenir, un jeune coach. Mais ce qui leur manquait toutes ces années, c'était vraiment des athlètes autour de Damien Lillard et CJ McCollum. Il leur manquait ces mecs capables de défendre, courir. Le rythme, c'est vachement important. Damien Lillard, sur demi-terrain, il fera toujours son truc. En plus, si tu l'amènes à un gars aussi talentueux qu'Anthony Simons et un pivot intelligent sur lequel tu peux construire par la passe, bah, si tu arrives à avoir autour des mecs qui ont la dalle, des mecs revanchards, des jeunes joueurs qui doivent se faire leur place aussi au sein de la NBA, tout devient plus simple. Parce que Damien Lillard, c'est pas à lui qu'on va demander de courir comme un dératé. Pas qu'il ne court pas, t'as raison. Il a retrouvé ses jambes, on avait écouté les Lakers. Nombre de drives, accélération comme ça sur Pat Beverley qui se demande toujours comment il est revenu aussi bon. Mais il empêche que voilà, Shaedon Sharpe, Nassir Little, etc., c'est des joueurs qui vont te permettre sur l'ensemble de la saison d'avoir un basket de relance. Un basket de relance, si t'es pas trop mauvais défensivement, ça peut te permettre d'être dans les fins de match. Mais en fin de match, t'as un mec à qui donner la balle. On a parlé du style de jeu. Un petit peu ramené par Billups, donc de la course, un grand côté athlétique. On l'a vu face aux Lakers, on a vu deux trois athlètes quand même. Damien Lillard, on n'a plus de questions à se poser autour de lui. On sait que c'est un leader, on sait que c'est un joueur fantastique. Par contre, il y a des questions qui se posent toujours autour de Damien Lillard. C'est les seconds autour de lui. On a beaucoup parlé d'Anthony Simons. Est-ce que pour vous, c'est le bon profil Anthony Simons? J'ai quand même l'impression qu'on reste sur un profil similaire à CJ McCollum, peut-être plus athlète peut-être que CJ McCollum, mais on reste sur un poste similaire. Est-ce que c'est le bon profil à mettre à côté de CJ McCollum? On voit, c'est sa cinquième saison, il y a une vraie progression chez ce garçon. Ouais, mais c'est vraiment la question qui est intéressante, parce que mis à part son match de feu contre les Nuggets, son début de saison n'est pas extraordinaire en fait à Anthony Simons. Il marque légèrement plus de points, mais il a beaucoup plus de temps de jeu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ce début de saison un peu en demi-teinte, du moins en termes d'adresse, l'équipe a su prendre les matchs et que vraiment l'équipe a une pleine confiance en lui. Et là où c'est intéressant en fait, c'est que le gros talon d'Achille de cette équipe des Blazers, ça a toujours été la défense. Et c'est que cette année, même si ils sont amenés à jouer avec deux arrières qui sont pas très grands, il y a l'apport de Billups sur la défense des Blazers est vraiment notable. C'est une équipe qui défend beaucoup mieux. On voit aussi. Tu trouves? En termes de mieux. Oui, ils sont bien. Elle défend mieux. Ils sont. En mieux, c'est pas ça. Oui, mieux, t'as raison. Bah, mieux. Ils n'ont jamais défendu de leur vie. Parce donc que là, ils sont dans le top 10, ils sont 8e, ouais, si je ne me trompe pas, en défense sur le début de saison. Il y a peu de matchs encore, mais alors qu'avant, c'était toujours bien plus bas. On a vu aussi qu'il y avait quelques ajustements. Ils ne défendent plus tout à fait les pick and roll de la même manière, notamment avec Nurkic, où il lui demandait de sortir très haut, presque sur du step-out par le passé. Là, ils sont revenus sur du drop légèrement. Et on a vu de la zone aussi. Et de la zone, effectivement. Donc il y a plus. En gommant un petit peu ce talon d'Achille qui était celui des Blazers par le passé, je pense que c'est un pari qui est pas fou en fait, de parier sur un joueur comme Anthony Simons, surtout comme tu le notais Thomas, que derrière il y a d'autres joueurs vraiment intéressants. On s'attendait pas à ce que Shaedon Sharpe montre aussi vite de belles choses, notamment. C'est un talent brut, quoi. Voilà, mais on se disait qu'ils allaient le développer un peu sur le long terme. Au bout du compte, il montre des choses vraiment intéressantes en termes d'adresse, etc. Tu as des joueurs comme Nassir Little, pareil, qui, je trouve, qui ont vite pris le pli. Ils ont signé aussi. Ils ont signé et qui a vite pris le pli de ses nouvelles responsabilités. C'est, pour l'instant, ce qui est intéressant, ce qui est marrant avec les Blazers, c'est que tu dis qu'ils font rien d'extraordinaire. Mais ils ont resserré la vis sur tout ce qui était les fondamentaux du jeu. Donc c'est une équipe qui, je pense qu'elle ne va pas forcément rester à ce niveau-là tout au long de l'année, parce qu'il y a d'autres équipes à qui je prête plus de potentiel et qui sont encore en rodage. Mais pour moi, les Blazers, c'est déjà en place, il y a de la confiance qui se prend, et ça peut vraiment être un poil à gratter, un caillou qui va se mettre dans la chaussure de d'autres adversaires de la compétition. Il y a un garçon dont on n'a pas parlé, c'est Gary Payton, qui a signé cet été, mais qui n'a pour l'instant pas joué, mais qui lui aussi défensivement dans le profil est censé amener un petit peu plus de choses. En tout cas, pour revenir sur Anthony Simons, que je donne mon avis là-dessus aussi, c'est que t'es évidemment, là pour ça, mon grand. Évidemment, j'étais censé t'aller partir sur autre chose et j'ai attrapé pas du tout. Je voulais juste parler de Gary Payton. Je te redonne la main. Très bien. Évidemment que sur le papier, on est tous d'accord pour dire que c'est pas le profil qu'il faut à Damien Lillard, parce que sinon, si CJ McCollum aurait été le profil parfait pour un jour aller en finale NBA. Ils sont allés en finale de conférence, ils ont fait des très bonnes saisons régulières, deux fois troisième de suite et tout. Il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, Simons, il est là. C'est un jeune talent avec un jeune prospect qui est plus sur le périmètre. C'est
entre guillemets, un jeune Damien Lillard, donc, qui est beaucoup porté sur le scoring, qui est beaucoup porté sur le pick and roll, beaucoup sur le 1 contre 1 et beaucoup sur le tir extérieur. Donc, Damien Lillard d'aujourd'hui lui laisse de la place, c'est-à-dire qu'il a besoin, quoi qu'il arrive, d'un second pour le supporter sur des temps faibles, entre guillemets, pour aussi avoir plus de variété dans le jeu, ça nous paraît évident. Maintenant, je demande à voir, puisque les gens autour ont changé aussi. Ce qui avait bien marché avec CJ McCollum, c'est que les ailiers, donc Alfaro Camino et Mo Harkless, avaient été fantastiques. A priori, Jeremy Grant est un meilleur joueur que ces deux-là, qui étaient deux contre un, mais un meilleur joueur, en tout cas sur le potentiel individuel. Donc j'ai envie de leur donner leur chance, on ne va pas les démonter alors que ça se passe bien à ce moment-là. C'est juste, quels sont les espoirs avec un duo? C'est la question qui est revenue depuis 5 ou 6 ans et qu'on peut encore se poser aujourd'hui. Moi, en fait, j'ai absolument pas envie de les démonter. Je salue même le travail du nouveau GM qui est arrivé, qui fait des choses concrètes, mettre un coach, ancien joueur Billups, qui a des idées, être capable de réentourer assez rapidement Damien Lillard pour qu'il puisse rejouer le top 5 de la conférence Ouest. Pourquoi pas? Honnêtement, moi, je salue le travail. Ce qui me frustre un peu avec Damien Lillard, qui est un joueur que j'adore, c'est que je me dis, est-ce que, avec cette construction d'équipe-là, Damien Lillard a 32 ans, est-ce qu'un jour on verra? Est-ce que Portland arrivera un jour à offrir une équipe à Damien Lillard pour le voir au moins en finale une fois? Je prends tous les top meneurs de sa génération. Je dis bien de sa génération. Steph Curry, champion NBA, et les finales, il en a fait. Westbrook, il a fait une finale. Kyrie Irving, il a fait des finales, il est champion NBA. Kyle Lowry, champion NBA, il a fait une finale. Chris Paul a même fait une finale. John Wall, non, mais je le mets à... clairement concurrence. Mais tu vois, Damien Lillard, moi, j'ai toujours ce truc de me dire, ce mec-là, qui est pour moi un meneur exceptionnel, qui est peut-être le, voire l'un des meilleurs leaders de cette ligue, est-ce qu'un jour, Portland pourra lui offrir ce titre-là? Moi, je trouve que le travail qui est fait, il est sain, il est bien pensé, c'est tout ce qu'on aime en NBA. Mais non. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que ce mec-là, mais peut-être que c'est le choix de Lillard aussi de rester, parce que tous les mecs que j'ai dit à part Curry, ils ont tous changé d'équipe. Lui, non. Lui, il a ce côté aussi de dire, non, moi, c'est Ike Portland ou rien. Et ça, c'est kiffant. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'avoir cette frustration et cette question de me dire, est-ce que Portland sera un jour en mesure d'offrir une équipe pour aller en finale à Damien Lillard? C'est vrai que c'est compliqué. Déjà, tu es sur la même génération que les Warriors, compris je ne sais pas combien de finales, donc tu sais que toutes celles-là, tu n'y participes pas. C'est vraiment une question... Qui est dur c'est dur de répondre à cette question. Ce qui est intéressant, en fait, dans la reconstruction des Blazers, je trouve, c'est d'avoir autant de jeunes joueurs qui ont du potentiel. Parce que si tu penses que tu as l'opportunité d'aller plus loin, bah peut-être qu'à un moment, effectivement, je ne suis pas sûr que Anthony Simons soit suffisamment fort pour être la seconde option d'une équipe qui joue des finales ou qui joue le titre. Par contre, s'il montre suffisamment de bonnes choses et que tu as des joueurs à côté, des jeunes qui sont intéressants, peut-être que ça te permettra d'aller chercher éventuellement un joueur d'un standing au-dessus si besoin. Là, il se donne le temps. Thomas, ouais, aussi, de, ouais, ce que tu dis, de s'il y a un coup à faire, ouais, ils pourront le faire parce qu'il y aura déjà la structure. Ouais, ouais, Simons passera un cap et sera une surprise énorme et il montrera son niveau. Mais... Ça, c'est, là, on est dans toutes les visions optimistes. Moi, j'ai envie de te dire que non. J'ai envie de te dire qu'au vu de son âge, au vu de ce qu'on a vu ces dernières saisons, au vu de l'histoire de cette franchise toujours placée et rarement gagnante, et surtout sur le fait que Portland n'attire jamais personne. Les mecs sont draftés, ils restent longtemps, partent. Lillard, lui, va rester, et tant mieux pour cette franchise qui est une super franchise, t'as dit saine, et t'as raison de le dire. Maintenant, si la question c'est un jour iront-ils en finale ou un jour seront-ils champions, j'ai envie de dire que c'est très 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 peu probable, parce que pour être si fort, donc vraiment pour être favori, il faut que les planètes soient alignées en termes de blessures et tout, mais il faut avoir l'effectif pour. Ils n'ont pas du tout l'effectif pour, et ils sont même, pour moi, ils sont même pas un trade de pouvoir aller en finale. C'est-à-dire que si tu trades pour aller en finale, c'est que tu as pris KD, Giannis, ce type de joueur-là, quoi. Et surtout, ou un numéro 1 draft, quand je vois dans le passé, même si l'équipe, tu l'as dit, a changé, mais il a eu des équipes très correctes de NBA, Lillard, et il a surperformé déjà. Quand il fait deux fois troisième, et qu'ils vont même en finale de conf jusqu'aux Warriors, où ils sortent d'une demi-finale de conf en 7 matchs sur les rotules et qui se font assaisonner 4-0 par les Warriors. Pour moi, c'est une saison où il a surperformé, et même si aujourd'hui les choses ont changé, il y a plus de jeunes, il y a plus d'athlètes, j'arrive pas à le revoir aller aussi loin. Et j'ai un petit côté frustrant, parce que quand je revois les finales qu'on a vécues l'année dernière, je me dis, putain, mais ce mec-là en finale une fois, ça devrait être quand même sacré délire. Ouais, non, c'est clair. Après, tu vois, tu parlais des joueurs qu'on comparait et qui sont partis. Parce qu'ils sont partis parce que les franchises n'offraient a priori pas ce qu'il fallait pour...
pour aller en finale. Si on prend l'exemple de Chris Paul, bon bah tout le monde n'a pas la chance d'arriver chez les Warriors, alors qui était kata au moment où il arrive, mais avec Bob Myers qui arrive, Steve Kerr, etc., etc. Donc quand t'es drafté par les Hornets comme Chris Paul, bah forcément tu vas partir au bout d'un moment, malheureusement, tu vois. Et LeBron à Cleveland, forcément à un moment donné tu vas partir pour aller chercher un titre, tu vois. Donc il y a ça, l'histoire de la NBA prouve que les super méga stars qui sont amenés à être championnes partent quand elles sont pas dans les franchises, les méga franchises, donc Boston, les Lakers, etc., etc. Donc il fait ce choix là en connaissance de cause. L'ambition, c'est d'aller en finale. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça un jour. Mais quand tu prends, tu fais aussi le choix de l'argent et de la fidélité. Tu dois malheureusement parfois t'asseoir sur les résultats collectifs concrets. Ouais, surtout que dans la liste que tu donnais, c'est intéressant aussi, Erwan, parce que finalement, Kyrie, il fait une finale, mais c'est pas le meilleur joueur de son équipe. Il fait une finale parce qu'il y a LeBron. Tu penses que Damien Lillard ne serait pas allé en finale? Tu veux vraiment ouvrir ce débat maintenant? Non, mais pour Damien Lillard, avec LeBron aux Cavs, on peut imaginer qu'il soit champion 2016 voilà. Aussi. Bon. Chris Paul, quand il va aux Suns, bon, il est peut-être à égalité avec Devin Booker, mais il y a un joueur qui est au moins du même niveau que lui dans l'équipe. Finalement, Damien Lillard n'a jamais eu ce luxe-là. Il a eu Aldridge quand il était jeune. Il était très vite et très jeune. C'est voilà. Exactement ce que j'allais dire. Donc c'est aussi pour ça que c'est dur. Après, c'est aussi toujours la question de savoir est-ce que un titre, bien sûr, c'est important de gagner des titres. Bien sûr, ça valide d'une certaine manière ton statut dans l'histoire. Moi, qui ai eu l'occasion de voir des stars des années 90, Charles Barkley, il fait une finale extraordinaire. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer. Dominique Wilkins, c'est un des joueurs que j'ai le plus kiffé voir jouer quand j'étais gamin, avec peut-être ses limites aussi. Mais pour moi, ça reste pas moins des grands joueurs. Karl Malone. Après, il a fait au moins deux finales. 3-3. Voilà. Ouais, mais il gagne pas, quoi. Ouais, non, il gagne pas. Mais valider une finale, champion de sa conférence, c'est quelque chose. D'ailleurs, il y a une bannière. Exactement. D'accord. Et a priori, Lillard, il le sera peut-être jamais. Je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un haut-le-fait. Non, je sais que ce n'est pas forcément votre avis. Mais c'est ce type de joueur-là qu'on a envie de voir une fois. Je suis carrément d'accord. Il y a tellement une excitation pendant la finale, se dire, j'aurais jamais vu peut-être potentiellement Damien Lillard en finale. Écoute, avant d'imaginer, de rêver d'un Damien Lillard en finale, on va surtout regarder, on se contenter de ce qu'il va faire cette saison. Et c'est plutôt très bien ce qu'il nous propose les Blazers de Damien Lillard. Il s'est blessé hier, il a dit que c'était rien de grave. Contracture au mollet. Si c'était en play-off, il aurait joué. Là, il a pas pris de risque. Il était quand même à 22 points, 26 minutes. Ouais. À 4 sur 11 au tir à 3 points. Hein. Mais pour lui, ça va. Voilà. Donc je savais juste que c'était inutile de continuer, d'essayer d'insister, alors que c'est le cinquième match de la saison. Honnêtement, si ça avait été un match de play-off, j'aurais continué à jouer la sagesse à 32 ans de Damien Lillard. Allez, un petit point sur le calendrier pour suivre un petit peu la suite de l'aventure des Blazers cette saison. Et puis on aura évidemment toujours plaisir à suivre cette équipe qui est plutôt bien pensée et bien reconstruite. Calendrier, ça se complique. Houston, un bon duel avec qui n'a rien à voir avec les haricots, évidemment, avec Ja Morant, Phoenix et deux fois Phoenix. Donc, comme il y avait Booker et Chris Paul. Il a essayé de t'avoir, Tom, là, en changeant de joueur. Ils sont taquins. Voilà, messieurs, on clôture le premier débat de cette saison. Vous avez été encore une fois excellent. Est-ce que vous serez aussi excellent sur le nouveau thème, j'allais dire truc, séquence, mais c'est sur la nouvelle séquence. Merci. Tu pourrais être un bon présentateur. Est-ce que vous allez être aussi bon sur la nouvelle séquence du faire des choses? C'est la palette tout de suite. La palette à qui? La palette à Toto, bien sûr, mais comment j'ai pas pu y penser avant? Efficace. Quel créatif tu es. Ben écoute, oui. Donc Thomas, je vais te lancer. On s'est intéressé aux Pelicans et Zion. Il a lui aussi été très attendu pour son retour cette saison. Ça se passe plutôt bien, et dans le jeu même, au-delà des stats. Ouais, retour attendu pour Zion Williamson, que vous connaissez tous, blessé malheureusement ces dernières saisons. On s'est posé la question de son style de jeu et le fameux plug and play. On en parle pour beaucoup de joueurs. Et Zion, on en a parlé pendant la preview, mais on en parle depuis des années. C'est un joueur que tu mets sur le terrain et qui va, quoi qu'il arrive, avoir de l'impact. Première action, regardons un système que les Pelicans jouent pratiquement à tous les matchs, un main à main entre Jonas Valanciunas et l'agressivité de Zion Williamson. On déroule, voilà, trois matchs différents à l'extérieur surtout, et Zion, par ses qualités athlétiques, va trouver le cercle contre les Hornets. Faisons une petite palettasse. On regarde le système. Herbert Jones qui va aller à l'opposé. Une petite coupe. La remontée de Zion qui commençait short corner. Et le main à main avec le grand Jonas Valanciunas. Ce qui va donner une action qu'on va retrouver souvent pour les Pelicans. C'est-à-dire un axe
libre entre guillemets pour Zion. Pour Zion. Mais ce qu'on veut absolument voir, c'est que cette action est simple. Zion ne doit pas chercher une passe, chercher un joueur démarqué, être agressif sur la main gauche, sauter comme un fou furieux et ensuite aller trouver le cercle. Ce qui est bien, c'est qu'il a un second jump et que derrière, en général, quoi qu'il arrive, ça va finir par une faute ou par un panier marqué. Exactement. Et ce qu'on voit souvent, c'est faute, panier marqué ou rebond offensif. Tout à fait. C'est qu'on le voit second que là, il est à 2 contre 1, mais on voit que chez Willie Green, c'est une situation, tu joues, tu vas provoquer. Et il y aura faute, panier ou rebond offensif. Peut-être que Baltimore devrait s'en inspirer, ouais. Parce que dans les systèmes, c'est bien de dire, écoutez, on va faire ça, on sera sûrement lu, scouté, etc. au fur et à mesure de la saison, mais là, je veux que tu sois agressif sur un dribble ou deux, et tu vas au cercle. Donc voilà pour la situation simple, voilà. Qui fonctionne. Simple. Pour les joueurs forts, en général, on fait les situations simples. Deuxième palette, vous allez voir encore une fois l'intelligence de notre ami Zion Williamson. Une action qui démarre à l'opposé pour CJ McCollum, Patty Mills qui joue interception, mais c'est pas le problème. Et regardez le passing game de cette équipe des Pelicans qui va donner une passe D pour un dunk de Zion. Ce qu'on veut mettre en lumière, c'est la patience et la lecture de l'espace par ce bon vieux Zion. Il va aller se cacher là-bas à l'opposé, regardez, il va se cacher justement à ce moment-là. Le système va être pour CJ McCollum, Jonas Valanciunas va descendre, et là on va jouer sur un côté fort, un triangle avec 3 joueurs, et Zion, qui va pas demander la position au poste bas, va se cacher ligne de fond, ce qui va donner une première passe, un 2 contre 1 à jouer, la petite passe des lignes de fond, et Zion est un garçon, très patient, c'est ce qu'on veut montrer sur cette action, il va se faire attendre, et on va aller le chercher, parce que trouver Zion en ligne de fond, en général, c'est jamais une mauvaise idée. Ah, Théo, la ligne de fond, de toute façon, on sait que sur les fins de possession, c'est toujours un casse-tête pour ces défenses, parce que tu crées un problème aux défenseurs, tu étires la défense vers toi, et donc ici c'est défendu, ben, tu libères la raquette, et si le mec fait un pas en avant justement pour réduire l'espace, ben, toi t'es libre sur la ligne de fond. Ouais, exactement, c'est là où Zion se positionne le plus souvent, hein, dans le short corner ou le dunker spot là, comme disent les Américains. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Willie Green crée de l'espace en utilisant ses 2 grands en fait, parce que soit c'est Valanciunas qui joue au large parce que la défense est obligée de respecter son adresse à 3 points, et à l'inverse c'est un très bon joueur au jeu au poste bas, ce qu'on voyait sur la première situation que tu montrais, Thomas, où la défense est obligé de rester sur Valanciunas, parce que tu sais que s'il reçoit la balle, il peut vraiment marquer à haut pourcentage, et c'est vraiment intéressant de voir cette... Souvent quand on parle de notion d'espace, on se dit il faut des shooters extérieurs, donc on pense à des arrières, et là c'est vraiment le double apport de Valanciunas, poste bas et de loin, qui permet à Zion d'avoir ces espaces-là. Absolument, et ça marche aussi par exemple pour les Bucks, hein, avec Brook Lopez qui est capable d'être en Exactement, bas et en ouais. haut, mais en tout cas d'être une menace pour laisser de la place aux grands. On aurait pu faire une palette sur la défense des Nets pour montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Interception tentée, ratée, derrière c'est le Sbeul, ils sont tous comme ça, à 2 contre 1, enfin 1 contre 2, et puis finalement ça donne un dunk. Curieux de voir les principes défensifs des Nets, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre palette. Ouais, hein. Tout à fait. Enfin bref, on démontrera les Nets une prochaine fois, même si c'est déjà fait. Allons-y sur la dernière séquence, et là on voulait montrer l'impact la relation entre une star qui va faire mime, donc CJ McCollum, de jouer le main à main pour donner une nouvelle fois une raquette totalement ouverte à ce bon vieux Zion. Ça donne une première passe à CJ McCollum qui va y retrouver sur la remontée Zion Williamson, qui n'a pas besoin d'être à 3 points, lui, il se regarde même pas le cercle à 3 points en ce début de saison, et regardez l'espace qu'il y a dans la défense des Hornets, il y a le quart de terrain complet. Alors en général on évite même de faire 4 joueurs comme ça, mais Willie Green en tout cas a envie d'avoir toute la main gauche libre pour Zion Williamson. On regarde une dernière fois. Et avec ses qualités athlétiques, forcément, et son speed move si redouté, il passe, il dunk, il y a une aide qui arrive, mais ça ne change rien. Bref, Zion, en tout cas, dans les plans de jeu de Willie Green, c'est de le trouver un maximum agressif sur le dribble avec une raquette censée être la plus libre possible. J'aime beaucoup la comparaison que tu fais avec Ben Simmons, qui devrait s'inspirer de l'agressivité de Zion Williamson. Et je trouve que sur ces différentes mises en place collectives, on en revient toujours à la même chose, l'agressivité et la lecture. Et c'est deux choses que Ben Simmons a en magasin. Tout à fait. Et même la spontanéité. Alors, c'est pas spontané parce qu'il sait dès qu'il a la balle qu'il va devoir jouer. Mais dans le jeu, tu as l'impression qu'il regarde peut-être à l'opposé et bam, il part. Ça, c'est la spontanéité que Ben Simmons a perdu complètement. Bon, parlons 2 minutes quand même des Pelicans. L'une des bonnes surprises, les gars, de ce début de saison. Carrément. Il y a des blessés. Zion, malheureusement, est retombé. Là, il s'est démonté le dos. Brandon Ingram aussi a été blessé. Et pourtant, Herbert Jones a été blessé. Et pourtant, on a vu une super victoire cette semaine avec 6 mecs à plus de 10 points ou plus.
Voilà, on a parlé de Willy Green. Les Pelicans sont une bonne surprise de ce début de saison, Théo. Ouais, carrément, bonne surprise. C'est une équipe vraiment kiffante à voir jouer. Là aussi, c'est assez grave. Je suis content pour Willy Green parce que c'est un joueur qui, quand il était joueur, il n'a pas eu de bol. Hein. Il s'est fait des blessures pas possibles au pire moment possible dans une carrière. Je suis content de le voir réussir en tant que coach. Ce qui est intéressant cette année, c'est je trouve que Brandon Ingram a passé un cap dans la création au niveau de la passe. Je trouve qu'il est vraiment bien meilleur que par le passé. C'est aussi une équipe qui est un peu étonnante parce que c'est une des équipes qui prend le moins de tirs à 3 points de toute la ligue pour ce début de saison et qui est parmi les plus à droite. Donc il y a vraiment un bon équilibre entre le fait de jouer dedans, comme on a vu avec Zion ou Valanciunas, et aussi ressortir pour de bons tirs. C'est une équipe qui est athlétique, qui est agressive en défense. Là aussi, on sent qu'il y a un bon état d'esprit des jeunes qui ont envie de jouer ensemble et qui respectent le plan de jeu du coach. C'est une équipe kiffante. On espère simplement que Zion pourra rester en forme tout au long de la saison. Là, il est revenu plutôt affûté. Et puis, ce qui est intéressant aussi sur la dernière séquence que tu montrais, là, avec quasiment 4 joueurs qui jouent sur un quart de terrain à l'opposé de Zion, c'est que ça, tu peux te le permettre parce qu'il a aussi une bonne lecture de jeu. Là, il n'a pas trop pu le montrer, mais quand on l'a vu sur le terrain, son excellente saison avant qu'il se blesse, on voyait qu'à la création, c'était plutôt un bon passeur. Et pourtant, pour l'instant, il utilise vraiment très peu en passeur. On veut vraiment que ce soit une arme de destruction massive. Et t'as la balle, tu joues. Et après, on aura le temps. Parce qu'il est moins à l'initiative de certaines attaques. On le voit plus. Parce que Ingram est beaucoup plus à l'initiative de l'attaque. On le voit beaucoup moins à l'initiative. C'est Ingram et McCollum. Et lui, par contre, pour le coup, c'est peu importe les situations, c'est quand on va trouver, c'est un quart de terrain ou un axe panier-panier était très agressif. Moi, ce que je kiffe avec cette équipe-là, c'est que malgré les absences, et ça, c'est jamais neutre, quand il te manque Zion, quand il te manque Brandon Ingram, quand il te manque Bébert Jones, 3 mecs du 5, tu vas gagner les Mavs qui sont plutôt très bons ce début de saison. Ça, c'est pas neutre. Trey Murphy derrière, les inventions de joueurs. Ouais. Alvarado qui est encore là très bien. Moi, ce qui me fait kiffer chez les Pels et avec Willy Green, on l'avait déjà dit l'année dernière, et en plus, on a eu la chance de le voir à Los Angeles, c'est sa manière de coacher. C'est la hiérarchie d'équipe. On parlait de hiérarchie à trouver chez certaines équipes là. La hiérarchie d'équipe, elle est nickel. Et les rôles des joueurs. On a vu cet été en équipe de France que les rôles derrière les joueurs majeurs, c'est pas toujours simple à définir. Là, tout le monde connaît son rôle et tout le monde apporte quelque chose. Et le match à Dallas, c'est la parfaite exposition de tout ça. Tous les mecs qui rentrent, peu importe le temps de jeu, il n'y a que Jackson Hayes, mais qui est jeune encore, qui est un peu en travers dans son basket, mais ça va venir. Tout le monde apporte des choses. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une équipe qui bosse bien et qui vit bien aussi ensemble. Moi, cette année, je les vois peut-être même. Surprise. On les avait mis assez bas, play-in et tout ça, mais en attendant de voir et tout, mais c'est vrai que le début donne beaucoup d'espoir pour la suite. Individuellement, les évolutions d'Ingram, tu l'as dit, et McCollum qui est vraiment un daron, on l'a dit, hein, je l'avais dit dans une libre antenne. Butler m'a dit que cet été, il a appelé Magic Johnson pour prendre des conseils de leadership, de comment être. Je pense que les mecs sont concernés, vraiment, ils veulent faire un truc. Tout à fait, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense, honnêtement, quand ils ont fait le trade avec Portland, je pensais que c'était plutôt un bon trade pour chacune des deux équipes. Mais je ne pensais pas que McCollum pourrait avoir un tel impact en termes de leadership sur l'équipe. Il est arrivé quand même à un moment un peu critique. On se demandait même si le GM n'allait pas sauter, on ne savait pas si Zion allait re-signer, etc. Et je trouve qu'il a manifestement su cadrer, en fait, avec bien sûr avec Willy Green aussi, mais donner une cohésion à cette équipe et jouer le rôle de daron. Comme tu le dis, je pense qu'il a beaucoup dû apprendre aussi auprès de David Lillard dans ce registre-là. Et je trouve que son impact, même au-delà des statistiques, il est vraiment dans l'état d'esprit de cette équipe, dans la sérénité qui se dégage de ce jeune groupe. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi flagrant aussi vite, en tout cas. On découvre un autre joueur totalement mature dans un autre rôle de meneur de jeu, parce que c'est lui qui débute starter. Et le dernier truc, c'est pour continuer à en c'est la 11e saison, c'est la 11e saison de CJ McCollum. Oh, donc fou, ça. 9 aux côtés de Lillard. Bon, évidemment, oui, pour apprendre à être un leader, il y a pire. Hein. C'est clair, mais quand c'est des mecs intelligents, ça se passe toujours mieux. Tu sais que moi, quand je viens de voir la 11e saison de McCollum, j'ai pris un sacré coup dans le cul, là, incroyable. C'est un truc de ouf. 11e saison. Le dernier truc que je voulais dire, c'était sur les plans de jeu respectés. On a vu le match contre les Nets. Les Nets, où est leur faiblesse? À l'intérieur. Ils ont Zion et Jonas, les premiers ballons vont à ces deux mecs, et Jonas en priorité. Il y a CJ McCollum et Brandon Ingram qui vont avoir du temps dans un match pour performer, mais au début, on cible et on fait mal au pilote. Et ça, c'est des trucs que j'adore dans les équipes NBA, dans certaines équipes NBA, qui sont parfois trop portées sur les extérieurs. Là, t'as des grands qui sont bons, en plus, tu sais, ils jouent, tu rattaques les petits types, les petits machins entre les deux joueurs. Voilà, c'est comme ça que tu gagnes des matchs, tout simplement. Bon, c'était cool cette séquence palette. Hein. J'espère qu'elle
reviendra la semaine prochaine. Voilà. Nous aussi, on espère. Dites-nous si vous avez, si vous avez apprécié, si vous avez kiffé, comme disent les Giants. Oh, non, oh, l'ancien. Oh, le boomer. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour Stade 2. Allez, hop, allez, balle gratuite, papa. Ouais. En tout cas, nous, on s'est régalé avec cette palette. Et elle reviendra toutes les semaines. Et de la force pour JB Bénard. C'est lui qui réalise toutes ces belles palettes et il bosse comme un malade. De la force pour JB, la légende. Et d'ailleurs, si tu es le sosie officiel de JB, envoie-nous un message. On aimerait te rencontrer. Parce qu'apparemment, il y a des sosies partout qui se trimballent. Oui, mais si on a tout, ce premier first day show touche à sa fin, vous avez été très bon, excellent, et on va se régler, comme d'habitude, avec le quiz de Tom Cervino. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Quel plaisir de vous retrouver, messieurs. Ouais, j'ai un peu bossé. L'orthophoniste un peu. Pas ta phrase d'intro, apparemment. Mais écoute, elle marche tellement. On change pas les choses qui marchent. C'est vrai qu'on tu changes tes éditos, toi, chaque semaine. Oh là là. Bah oui, chaque semaine, chaque semaine. Salut l'équipe. C'est bon, on connaît. Hein. Bravo, Tom. Ça, c'est la rébellion. Merci. Ah, ça va, vous êtes chaud? Profite de ton quiz. Hein, parce que vous êtes chaud, c'est peut-être le dernier. Quelque chose me dit que c'est le dernier. Allez, on est très chaud, Tom. On a Théo Messer qui est avec nous. C'est toujours un plaisir. Du coup, on va faire une énumération des joueurs NBA qui ne savent pas lire, vu que tu sors un mot. On commence. Non, je rigole, évidemment. Première blague. Ça, excellent. J'ai quelques noms. J'avais que Derrick Rose, personnellement. Non, pour savoir qui va débuter l'énumération, Klay Thompson s'est fait expulser cette semaine, vous l'avez vu. Vous allez me donner le chiffre, le nombre d'expulsions qu'a eu Draymond Green en carrière. Le plus près démarra l'énumération. Ah, pas mal. Allez. Donnez au pif. 21. 21, pas beaucoup mal. Beaucoup plus. J'ai 45. 45, d'accord. Non, je vais dire 15. C'était 17, donc c'est toi qui vas commencer. Donc, aucun intérêt, c'est encore l'invité qui commence. Il a fait sans exclusion, non? C'était un truc comme ça, il avait le record, c'était un truc de ouf. Rachid Wallace. C'est technique. Hein, ouais, il y a technique et expulsion. Il en faut deux. Il en faut deux, ouais. C'est Derrick de base. Sportif. Oui, nous, qui compte pour deux. Sauf si c'est une grosse flagrante folle. Bon, là, tu t'es viré direct. Bref, vas-y. Je reprends, évidemment, mon rôle. 14 joueurs cette saison sont au-dessus des 26 points de moyenne, c'est énorme. Depuis les années 2000, il y a seulement une trentaine de joueurs qui l'ont fait. Sur une saison entière. L'énumération, c'est ça aujourd'hui. Oh ouais, on commence 2000. Plutôt facilement. Des mecs qui scoraient. C'est toi, Théo, qui combien commence. Combien à moi? Plus, de, plus de 26 points de moyenne. Sur une saison? Sur une saison. Très bien. Il y a tous les évidents. Yanis Antetokounmpo. Bien sûr. Michael Jordan. Michael Jordan. Attends, depuis les 2000, années 2000. Ah, depuis 2000. 2000. Michael Jordan. Kobe Bryant. Kobe, oui. Kevin Durant. Kevin Durant. Joel Embiid. Joel Embiid. Russell Westbrook. Russell Westbrook. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. Damien Lillard. Ah, coquin. Eh oui, il est là. Dwayne Wade. D-Wade. Stephen Curry. Stephen Curry. Oh, la bavure, attention maintenant. James Harden. Bien joué, la glissade. Joel Embiid. Oh, bavure. Allez, on se comprend, il l'a dit. Allez, c'est pas grave, c'est la première, enchaîne. Joel Embiid et Harden. Non, il avait dit Joel Embiid. Allez. Réagis vite. Allez, vas-y, vite, par contre. Je réagis très vite. LeBron James. LeBron, super. Tracy McGrady. T-Mac. Anthony Davis. Anthony Davis avait fait 28 points de moyenne 2017-2018. À moi, Kyrie Irving, on l'a pas dit? Kyrie, on l'a pas dit. 26 points. Allen Iverson. Iverson est exactement... Je l'ai ici. Mais aucun doute, vas-y. Vas-y, à toi. Zion Williamson. Et Zion Williamson, 27 points en 2020-2021. C'est 26 points ou plus. Damn. Ouais. Ouh là là. Dans mes... Nikola Jokic. Ouais. Nikola Jokic, 27 points la saison dernière. C'est Tom. Shaquille O'Neal. Le Shaq, 27 points en 2002-2003. La Brandon dernière Ingram. Brandon Ingram, je te regarde ça. Et Brandon Ingram, je ne l'ai pas sous les yeux. Ah. Je ne l'ai pas sous les yeux, je vérifie quand même rapidement. Et on va pouvoir enchaîner ensuite avec Erwan, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas fait de saison à 27. Aïe, aïe, aïe. Attends, j'en avais plusieurs. Non, il n'a jamais fait de saison à 27. Sa meilleure saison, c'est 23-8 avec les Pelicans. Ah, mais j'étais loin. LaMarcus Aldridge. Non. Bradley Beal pour finir. Bradley Beal, 31 points la saison dernière. Dirk, ça marchait? Dirk Nowitzki, non, je ne l'avais pas. J'avais Gilbert Arenas, David Booker, Vince Carter, DeMarcus Cousins en 2016-2017, DeMar DeRozan, Luka Doncic, qui dit, on l'a dit, Paul George, Zach LaVine, Kawhi Leonard, Paul Pierce l'a fait, Jerry Stackhouse, Jason Tatum, Isaiah Thomas, Trae Young et Chris Webber. Oh eh oui, j'ai toujours mal de Vilain. Ça fait toujours mal. Je pensais que tu me le sortais. Allez, on se fait le premier qui suis-je de la saison. Allez, vas-y. Soyez bon.
Je suis né le 14 octobre 1969. J'ai donc 59 ans aujourd'hui. C'est nos ambiances, ça. Ouais. C'est ça. J'ai fait ma fac à Louisiana Tech. Ouh, 59 ans. De 88 à 92, cursus complet. Mes stats lors de ma saison avec les Bulldogs, ma meilleure saison, c'était 14 points, 9 rebonds à 48% au shoot, c'est mieux. Vous l'avez compris, mon secteur, c'est l'intérieur. Je me présente à la draft 92, draft de Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning. Bref, je ne suis pas vraiment le meilleur choix rayon intérieur. Pourtant, avec mes qualités, je serai drafté au premier tour, en 29e position, par les Nets du New Jersey. Jason Williams. Non. Tu m'as fait peur, Gif. Cependant, je n'irai pas tout de suite dans la Grande Ligue. Et voilà. Et non, juste avant, je ferai une pige en Grèce, du côté de Panionios, où je tournerai à 17 points, 13 rebonds et 3 blocs. Ah ouais. Stade, vous me l'accorderez plutôt sérieuse. Allez, il est temps pour moi de jouer à NBA. Lors de ma saison rookie en 93-94, je serai dans le 5, plus de 50 fois dans la saison. Mais où? Je te dis où il était, c'était honnête. Ah, honnête, d'accord. Je me dispute la place de titulaire avec Benoît Benjamin. Ouais. On dirait le nom d'un mauvais arbitre de Ligue 1. Mais je suis plutôt un intérieur sérieux. Je goûterai également au play-off pour ma première fois. Pour la première fois, une défaite au premier tour face aux Knicks, où je jouerai 14 minutes par match. Au cours des saisons, je gagnerai ma place dans le 5 définitivement. En 95-96, je tourne en 11 points et presque 7 rebonds et un contre. Par contre, plus de play-off. On enchaîne les saisons à 30 victoires collectivement. C'est pas la folie. Ce serait pas Calvin Cato? Non. À l'été 96, Yankidar, non. Je suis free agent. Je gagne et j'ai besoin de soleil et surtout de victoire. C'est pour ça que je signe chez le Miami Heat. Je rejoins une équipe qui vient de faire les playoffs avec Zo Morning et Tim Hardaway. Sous les ordres de Pat Riley, je suis installé dans le 5 aux côtés d'Alonzo Morning. Et directement, la sauce prend. On atteint les finales de conférence à l'Est, mais on s'inclinera face aux Bulls de Michael Jordan. Nous ne retournerons jamais aussi haut, même si on arrive chaque saison à revenir en playoffs. De mon côté, ma défense est récompensée d'un titre. Une nomination dans la All-NBA Second Defensive Team. Ah ouais, la première de mes trois nominations en carrière. Alphonse Solis. Non. Non, non. Une en 97, une en 99 et une autre en 2001 sous le maillot des Hornets. Et oui, parce qu'après le hit, je file à Charlotte à l'été 2000, accompagné de Jamal Mashburn. C'est le gars qui a décapité Charlie Ward, là. Ce sera la franchise de ma carrière. Entre Charlotte et puis le déménagement à New Orleans, je resterai en tout 6 saisons avec les Hornets. Pendant 6 saisons, je serai le poste 4 titulaire aux côtés de Jamal Magloire, drafté là-bas. Pas. Comme durant toute ma carrière, je goûterai au play-off avec un pic en demi-finale de conf en 2001 et 2002. Ma dernière saison avec les Frelons se déroule en 2005-2006. J'ai 36 ans. PJ Brown, ça vient là. Ça sort ici la première victoire du quiz. Thomas Dufan. C'est PJ Brown avec Mourning, bravo. Et oui, et il remportera sa seule bague avec les Celtics en 2008. Bravo, Thomas. Avant je suis content. Ah, ouais. J'avais sa tête. Je sais que c'est lui. PJ Brown, dans l'embrouille avec Charlie Ward. Avec Charlie Ward, c'était lui. Les numéro 42. Faites comme il a joué très longtemps avec Mourning et tout. Mais oui, bravo. Il fait même une pige aux Bulls avant les Celtics. Bravo, Thomas. Première victoire. Ça fait plaisir. Franchement, c'est mérité en plus. Donc, Et t'es quoi, je vais noter cette année le nombre de victoires. Une victoire. Ah. Oh, et qu'est-ce qu'on peut gagner à la fin? Est-ce que Paul nous offrirait pas un Kinder Bueno? Bah pourquoi pas. Bon, c'est pas très grave si tu perds du coup. C'est pas très grave. Bon, bravo les gars. Ah, je suis content. Vous avez été bon. Voilà, c'est la fin de ce premier First Day Show de l'année. Certainement pas le dernier. On se retrouve jeudi prochain. Ça sera avec Arthur Sen, il me semble, à confirmer. Et puis Théo, tu reviens quand tu veux. Une dernière info sur le MOOC, tu peux dire, il sort. Et ben là, il est déjà disponible sur Basket Session, vous pouvez le commander. Et voilà, les expéditions commencent d'ici 10 jours. Et édition limitée comme toujours, donc voilà, faut pas traîner. Dans la description, bien sûr. Ouais. Dans la description, il y a un lien. Je vais le commander, tu le sais. Hein. Il me le faut. Celui-là, il est beau, je vais le payer. Celui-là, il est beau. Ouais. Il est ballon, enfin, de malade. Ouais, celui-là, il est beau, je vais le payer. Je vais te tiens, j'ai 10 balles. Bon, on va régler ça entre nous. On se retrouve jeudi prochain et lundi, surtout. Ce soir, brut. Voilà, on débrief. Attends, Lillard et tout. Lillard, il y a beaucoup de choses à dire. Ce soir, brut, lundi, 22h minuit, la Libre Antenne. Et la semaine prochaine, le First Day Show. Allez voir sur Rivers. On va se régaler. Ciao, ciao.